Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale Comic-Con Paris, puisque si vous ne le saviez pas, Script.fr cette année est partenaire du Comic-Con Paris qui se tiendra les 27, 28 et 29 octobre prochain à la Villette. Et on s'était dit voilà, qu'on allait vous proposer une petite vidéo qui à la fois résumerait et aussi détaillerait ce que nous allions vous proposer durant ce grand week-end de culture pop. Il y aura des panels, des conférences, des séances dédicaces et même une petite avant-première. Mais commençons par le commencement. Dès vendredi matin, on vous propose une conférence intitulée Incroyable Hulk, 40 ans après. Que faut-il en retenir? Puisque si vous ne le saviez pas, il y a 40 ans tout juste, la série télé The Incredible Hulk était diffusée pour la première fois aux États-Unis. Ça sera le moment de replonger dans cette série, puis aussi se poser une question assez simple finalement. À un moment donné, qu'est-ce qu'une série télé, et pourquoi pas même aussi un film, peut ajouter ou défaire du matériel de base, c'est-à-dire le comic book. Avec moi pour cette conférence, Tim Sale, Matteo Scarella, il y aura aussi Jeff de la librairie À Plein Rêve, Alexandre de la Loi des Séries, et puis aussi Alexandre Nikolavitch qui a été longtemps traducteur chez Semic. Semic, pour les plus jeunes, c'est l'ancêtre de Panini Comics et qui est aujourd'hui scénariste bande dessinée. Ce sera de 12h30 à 13h30 en salle workshop. De 15h à 16h, une seconde conférence intitulée « Fantastique, science-fiction et cinéma français, c'est possible ?» point d'interrogation. Alors c'est une conférence qu'on a souhaité organiser suite à de nombreuses discussions qu'on a pu avoir entre nous dans l'équipe de Script.fr, mais aussi avec vous, et puis qu'on a longuement lu sur les réseaux sociaux ou dans les forums. Voilà, est-ce qu'en France on arrive à faire du cinéma de genre, tout simplement? Et avec moi pour en parler, Xavier Jans, qui est réalisateur. Il a notamment réalisé The Divide, mais aussi Hitman et plus récemment Cold Skin. Et Caroline Vier, qui est journaliste à 20 minutes. Et en bonus, vous aurez à 19h, cette fois-ci dans la grande salle, l'avant-première du nouveau film de Xavier Jans, Cold Skin. Ce sera à 19h. Et concernant cette conférence, fantastique, science-fiction et cinéma français, c'est possible, point d'interrogation, ce sera entre 15h et 16h, en salle workshop. Le samedi, encore quelques conférences, cette fois-ci série télé, entre 11h45 et 12h45 en salle masterclass, une conférence sur The Strain, je crois que c'est la toute première en France, et avec nous en invité, le parrain de Script.fr, Richard Samel. Alors si vous n'avez pas vu The Strain, Richard, vous l'avez très probablement vu dans Inglourious Basterds, dans la série Un Village Français, dans Casino Royale, dans SS-117, Le Carnet d'Espions, dans La Vie est Belle. Dans The Strain, il interprète le rôle de Thomas Sycehurst. Il nous parlera de la série, il nous parlera aussi peut-être de la différence qu'il peut y avoir entre une série française et une série américaine. Ça s'annonce comme un panel très drôle, croyez-moi. Et puis il y aura quelques surprises. Et Richard sera aussi en séance dédicace entre 14h et 15h. Séance dédicace et aussi photo, n'hésitez pas. Entre 16h45 et 17h45, retour en salle workshop pour une conférence 100% comic book. Comic book, la French Touch, puisque voilà, on pense finalement que chez Marvel ou chez DC, il n'y a que des dessinateurs américains. Eh bien non, il y a de plus en plus d'artistes européens et surtout, il y a de plus en plus d'artistes français. Et avec moi, JL Mast et Philippe Brionnes, qui sont des invités Script.fr. Il y a aussi Elsa Chartier et Stéphanie Huns qui signent la très belle affiche du Comic-Con Paris 2017. Le lendemain, entre 13h et 14h, dernière conférence, le jouet et la pop culture, la pop culture et le jouet. C'est une conférence que j'animerai aux côtés de Romain de la chaîne Archaeotoys, une chaîne YouTube 100% consacrée sur le jouet un peu nostalgique, et puis aussi Stéphane Faucourt, qui est l'un des plus gros collectionneurs Star Wars d'Europe et qui a signé deux bouquins, l'un qui est 100% centré sur Star Wars en jouet, et un second qui est sorti il y a 2 ans, c'était à l'époque de la sortie au cinéma de Star Wars The Force Awakens, qui était centré, en tout cas qui axait la France et Star Wars. Voilà, ça sera une conférence là aussi je pense assez fun, qui mêlera beaucoup de nostalgie, souvenirs d'enfance, enfin voilà, ça risque d'être sympa. Et puis on vous proposera d'ailleurs à la fin de cette conférence une petite vidéo
très sympa. Alors si vous ne pouvez pas assister au Comic-Con, est-ce qu'on va filmer ou non ces conférences? Vous nous avez pas mal posé cette question par MP. Il y aura probablement quelques conférences qui vont être filmées, captées. Je pense qu'elles seront pour certaines diffusées. On ne sait pas encore exactement quand, on ne sait pas exactement comment. C'est assez lourd en termes de fichiers, puisqu'en gros, on part à chaque fois sur une heure de conférence. Mais voilà, on fera un max pour capter, en tout cas garder en archive toutes ces conférences. Et puis, on tentera de les diffuser, peut-être au fur et à mesure, peut-être assez rapidement après, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on aura pas mal d'interviews durant ce Comic-Con. Voilà, je peux vous dire, on aura Tim Sale, il y aura aussi Bendis, il y en aura plein d'autres, des artistes comics, des artistes séries télé, des artistes cinéma et pas que. Voilà, sans trop vous donner les détails. Et puis l'idée de base, c'est aussi vous rencontrer. Alors sachez que durant ces 3 jours de Comic-Con, eh bien on naviguera voilà parmi les stands pour vous interviewer sur plusieurs sujets. Ça risque d'être là aussi sympa. En tout cas, l'idée, c'est de vous faire partager cette expérience du Comic-Con Paris à travers plusieurs vidéos, voilà, qu'on diffusera assez rapidement pour une grosse partie sur YouTube durant le week-end et la semaine suivante. Et puis aussi, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter, parce que je pense qu'on proposera aussi quelques contenus vidéo, mais uniquement Facebook, pas mal de live. Voilà, là aussi, ça risque d'être plutôt sympa. Sachez aussi d'ailleurs que si vous regardez actuellement cette vidéo, nous vous proposons un jeu concours sur notre page Facebook. Vous pouvez gagner une rencontre à deux avec Julie Benz. Il y a un CV derrière plutôt sympa. C'est une rencontre qui aura lieu pendant le Comic Con Paris, donc vous devez forcément avoir un pass ou en tout cas au moins une entrée pour un jour pour assister à cette rencontre. Et voilà, c'est l'une des petites surprises qu'on vous révèle et propose à l'occasion de ce Comic Con Paris. Il y aura plein d'autres surprises, peut-être même qu'on vous proposera des petites choses à gagner durant le Comic Con Paris, un jeu de piste, allez savoir. Bref, il y a plein de choses qu'on vous prépare. En tout cas, voilà, pour rappel, il y a ces 5 conférences le vendredi. Incroyable Hulk, 40 ans après, que faut-il en retenir, entre 12h30 et 13h30 en salle workshop. Fantastique, science-fiction et cinéma français, c'est possible, point d'interrogation, entre 15h et 16h en salle workshop. Il y aura aussi l'avant-première de Cold Skin qu'on présentera à 19h le vendredi en avant-première, entre le samedi entre 11h45 et 12h45. Conférence sur The Strain avec Richard Samel en salle masterclass, et il y aura ensuite une séance dédicace entre 14h et 15h toujours avec Richard. Entre 16h45 et 17h45, Comic Book La French Touch en salle workshop, et le dimanche entre 13h et 14h une conférence Jouets et pop culture et jouets, ça sera aussi en salle workshop. On espère vous voir nombreux au Comic Con Paris. On vous dévoilera aussi d'autres petites choses dans les jours à venir sur Facebook très probablement, et peut-être qu'on fera aussi une dernière vidéo à quelques heures du Comic Con Paris. En tout cas, on se tient prêt, on est très excités. On remercie une nouvelle fois toute l'équipe du Comic Con Paris de nous offrir cette belle confiance. Ça sera une très belle édition, je pense. Il y a de beaux invités, que ce soit en ciné, que ce soit en comic book, que ce soit en série télé. Là, il y a quelques jours, ils ont annoncé quelques invités surprises pour la saison 2 de Stranger Things. Il y aura d'ailleurs les deux premiers épisodes qui seront diffusés. Ça s'annonce très cool. On espère vous voir. À très bientôt. Ciao.